Allez, bonjour et bienvenue pour un petit stream rapide, hein, pour une petite prise en main. Je lance le jeu pour la première fois de Lawn Mowing Simulator, donc simulateur de de tracteur tondeuse. On fait tout et n'importe quoi, mais n'empêche que le jeu a montré des premières images un peu tape à l'œil. Et là, premier lancement, ça se présente plutôt pas mal. Alors, on va attaquer un mode carrière. 3 sauvegardes de dispo. Alors, on va jouer avec les tutos, ouais, c'est mieux. Alors, dans ce mode, tu crées ta propre entreprise. Donc, le but, c'est le JB. Le but, donc, c'est de créer une entreprise, de la faire prospérer pour acheter d'autres tondeuses, etc. Voilà. Simple, efficace. On va voir ça. J'espère que le jeu est super facile à prendre en main et qu'on va bien s'éclater. Alors, mode carrière. Dans ce mode, tu crées ta propre entreprise et tu cherches à améliorer ta réputation. Ok, bon, ça, on sait. On a déjà vu. Nom de l'entreprise. Alors, attends, parce que je suis en clavier US. Ah non, tiens, j'ai pas basculé en clavier US. Hop, univers simu. Logo de l'entreprise. Ah, c'est dommage, on peut pas importer son propre logo. Ça manque un peu, ça sert pas à grand chose d'avoir des logos prédéfinis. On a Jack Atoll qui propose ça et c'est pas terrible. Bon, on va prendre le premier là, c'est pas mal ça. Tac. Voilà. Bah, ça se présente plutôt pas trop mal pour l'instant. Tiens, il y a un truc que j'ai pas réglé quand même. D'ailleurs, il y avait peut-être pas de réglage. C'est les réglages graphiques. Langue français, non. Non, j'ai pas vu. Ah bah si, qualité haut, bas. D'accord, normal, bas, ok, bon. On peut pas faire grand chose de plus. C'est pas grave. C'est pas grave. Ah, nom d'entreprise. Attends, merde, il me l'a bien gardé, hein. Ouais, logo. Modif du joueur. Alors, apparence du joueur. Ah, c'est pas mal ça. On peut customiser. Hop. Nono. C'est Gaëtan. Ah bah là je suis bronzé de chez bronzé, mais alors j'ai la marque, j'ai le bronzage, le vrai agricole, parce que c'est pas le routier, parce que j'ai les deux bras du coup, mais bien bien. Avatar du joueur, ah bah ok, donc on peut changer, oula, la moustache, on va prendre la moustache, hop, allez. Petite casquette. Ouais, bon, on va se prendre une casquette, une casquette orange. Confirmé. Emplacement du logo, arrière seul, devant, avant, arrière, hop, voilà. Couleur de l'uniforme. Voilà. Bon, ça sert pas à grand chose, mais bon, c'est rigolo. Alors, es-tu satisfait de la configuration de ton entreprise? Ouais. Ah, sur la tronche. Ah, peut-être, je sais pas. Essai conduite, mode carrière. Maintenant que tu as ta propre entreprise, tu vas avoir besoin d'un premier véhicule pour commencer à tondre. Choisis un véhicule dans la liste ci-dessus pour effectuer un essai de conduite. Alors pour l'instant, c'est une démo. Je ne sais pas tout ce qu'on peut avoir, mais il faut de toute façon avancer pour débloquer. Eh, franchement, putain, elles ont vraiment de la gueule. Oh, elles sont belles, hein. Rien que pour ça, ça donne envie de jouer. Ils vont quand même réussir un pari fou, c'est de nous faire aimer un jeu de tombe de pelouse. C'est assez ouf. Ah ouais, c'est pas des images, c'est les vrais 3D. Putain, c'est pas mal du tout. C'est pas mal. Bon, de toute façon, j'ai pas trop de choix. Je sais pas, je me tâte. Ouais, je vais prendre du grand classique. Alors attends, c'est quoi? Taille du plateau, 84, 90. Ouais, ça tombe plus large, ça. On va peut-être prendre ça, du coup. Collecteur ou broyeur? Ah, je préfère faire du mulching, moi. Capacité du réservoir, 5 litres. Ah, par contre, ça avance un peu plus. Quoi qu'on... On va prendre ça, comme ça, on va voir un petit peu ce que ça fait quand on décharge. On peut rien faire. Essai conduite, touche R. Faire un essai de conduite? Ouais, parti. Alors, ici, tu peux te familiariser avec un véhicule en particulier dans des conditions proches d'un contrat réel. Approche-toi d'un véhicule et, pour monter dessus, bouge avec ça, d'accord, et regarde autour avec la souris. Ok. Bah déjà, sincèrement, le jeu, ça commence bien. Il est pas dégueulasse. Mais il est vraiment pas dégueulasse. Les arbres, l'herbe, c'est pas mal fait, hein. Donc le jeu tourne sur Unity, hein, je crois, hein. C'est annoncé. Bon, ça a l'air, hein, de toute façon. Putain, mais franchement, il est bien fait, ce compte-jeu. Bon, on monte dans notre bébé ou pas? Allez. Touche F.
Une fois sur ton véhicule, tu dois le démarrer et le conduire sur l'herbe. Chaque véhicule est différent. Hop, d'accord. Z pour démarrer. Alors attends, Z c'est quoi sur mon clavier Ah! Ah non, faut rester appuyé. Alors par contre, j'ai un problème avec le curseur de ma souris. Il veut pas le jeu. Ah! Le jeu ne veut pas me capturer le curseur de ma souris. Du coup, j'ai un petit problème. Ah non, c'est bon. Attends, on peut pas régler ça? Non, on peut pas régler. Merde. Ah! Peut-être que je devrais jouer au. Peut-être que je devrais jouer à la manette. Oh. Bah non, il avance pas. Putain, le mec tourne la tête quand même quand il recule. C'est un peu déroutant là. Ah, j'ai pas goûté encore. Gaëtan. Pourquoi le mec veut pas avancer? Oh. Attends, moi déjà il y a un truc qui m'emmerde. Hop. C'est que monsieur, il veut pas me capturer mon curseur. Bon, vous savez quoi? Système D, je prends la manette. Je teste à la manette, on va voir. Hop, on déplie ça. J'espère que j'ai pas besoin de redémarrer le jeu. Allez. Ouais, bah, ça a l'air d'être un peu mieux déjà. Enfin, je dis ça, mais j'appuie et il se passe rien, hein. Appuyez sur... Attends, maintenez. Donc je vais démarrer le moteur. Tatatatatam. Ok. Augmenter l'accélération. Changer les paramètres d'accélération du véhicule avec gauche et droite. Ah ouais, d'accord. Ah ouais, on peut faire varier le régime moteur. Yes! Attends, bah, c'est la première fois que je conduis un tracteur tondeuse, hein. J'ai pas ça ici, moi. On a une vue... Ouais, on a une vue intérieure ou pas? Enfin, une vue intérieure. Eh, sincèrement, ça se dirige... Ah! Alors, une fois sur la pelouse, commence par choisir la hauteur de tonte pour ton plateau, puis engage les lames. N'engage jamais les lames quand tu ne te trouves pas sur l'herbe au risque de les abîmer. Ok. Bon, attends, on va aller sur l'herbe. Comment on règle la hauteur de lame? Alors, appuyez sur X pour engager et désengager les lames. Pour chacun des contrats, tu devras essayer... Ok, donc il faut respecter la hauteur de tonte. Choisis une hauteur de tonte entre 5 et 6 cm. Qui tombe 10% de l'herbe. Pendant la tonte, une barre en haut à droite, ok, montre la progression, ok, elle t'indique la quantité d'herbe tendue, en blanc, quantité d'herbe tendue si elle est bonne, ok, et en rouge quand c'est trop bas. Alors comment je règle la hauteur de tonte? Ok, avec gauche et droite. Tu tonds à la mauvaise hauteur, là je tonds à la bonne hauteur. J'arrive pas à trouver le bon angle de la caméra là. C'est vachement sensible hein, les commandes. Ah, ça gâche un peu le plaisir. Putain, jetons, c'est rigolo. Salut, salut Quentin, salut Didier. Eh, hey, franchement, c'est rigolo. C'est le truc que tu fais pas chez toi, mais dans un jeu tu le fais. Bon, alors moi je risque pas de le faire chez moi parce que j'ai pas de tracteur tondeuse. Je fais ça. À la mano. Bon, je voudrais changer la vue par contre. Je voudrais mettre une vue première personne. Attends, il n'y avait pas un truc. Sprint actif, appuyer. Marquage première personne. Bon, attends, c'est peut-être ça. Non, ça c'est pour recentrer la caméra. Donc pour ceux qui sont pas au courant, hein, le jeu est en démo sur toutes les plateformes. Sur Xbox, sur Steam. Ah, je dis au moins ces deux-là parce que du coup j'ai téléchargé sur la Xbox One pour voir. C'est exactement le même. Visiblement, j'ai juste démarré le jeu comme ça. Bon, ça marche pareil. Et là, je suis sur le PC. Le jeu ne nécessite pas une grosse configuration pour tourner. Pourtant, il y a du brin d'herbe à afficher. Mine de rien, eh ben, chaque brin d'herbe est en 3D. Mais je peux vous dire qu'il y a quand même un peu de polygone affiché à l'écran là. Ça paraît pas, mais... Faut que je monte ça à mon voisin, ça va lui plaire. Vu qu'il est tout le temps sur son tracteur tondeuse, 10 fois par jour, il est à la retraite, il
plus fait que ça et ça l'éclate. Il est tout le temps sur son tracteur tondeuse, c'est un vrai loisir. Faut que je lui montre ce jeu-là. Alors comment on fait après pour vider la trémie? La direction ne te donne pas envie? Comment ça? Alors, en appuyant sur un, tu peux lancer ProView, un outil qui te montre les zones où l'herbe n'a pas été tondue. D'accord. Bah, ça marche pas, hein. Je suis désolé, mais... Ah si, ok. Ah, ça fait comme... Ok, ça fait comme Assassin's Creed, c'est la vision d'aigle. Ça te donne pas envie, mais imagine Kevin à deux là. Enfin, même pas qu'à deux. Ah, mais si le jeu est multi, il faut qu'on se tape des barres dessus, obligé. Moi, franchement, c'est le genre de jeu qui me fait sourire. Je rigole là à tombe. Le son est bon, les graphismes sont vraiment pas dégueulasses. Après, il faut voir un peu l'herbe tondue à 5 là. Ouais, l'herbe reste. Est-ce que quelqu'un voit. Salut François, est-ce que quelqu'un voit la capacité de ma trémie là? S'il faut que je vide ou pas? Alors, c'est marrant, c'est que je suis sûr que en regardant des streams, on va voir des stratégies se dessiner. Moi perso, quand je tond la pelouse. Je fais pas comme je suis en train de faire là. Je m'amuse pas à faire le tour comme je fais là. Je fais plutôt un truc comme ça. Je découpe. Je découpe ma tonte en petits secteurs. Tu vois, c'est très stratégique. Il y a le secteur à côté de la balançoire. Il y a là où il y a le trampoline. Hop. Franchement, je sais pas ce que tu lui reproches, Kevin, au niveau de la direction. Ça se dirige super bien. Le machin, il braque sur place, c'est énorme. Tu vois, là, j'aurais bien refait une petite découpe. Ah, il y a un truc que je vais faire, c'est inverser les axes, axe Y, là, parce que là, par contre... Ah ouais, c'est mieux comme ça. C'est plus... Ah, alors... Progression du contrat, bon boulot. Dans un vrai contrat, par contre, tu devras tondre toute l'herbe. Quand tu auras finalisé un contrat, tu devras conduire ton véhicule sur la remorque pour le terminer. Ben moi, je veux bien le faire là. Rapporte le véhicule. Ouais, mais comment je vide. On vide jamais le. Oh, on peut abîmer ou pas? Est-ce qu'on peut abîmer? Ah! Non. Visiblement, non. Est-ce qu'on peut dessiner des. Est-ce qu'on peut faire du dessin avec? Attends, fais voir. Ouais, je suis sûr que oui, regarde. Alors, petit cours de dessin, on va aller faire ça là-bas. Bon, vous savez très bien ce que je vais m'amuser à dessiner, hein. La petite poubelle à droite. Ah, exact, j'avais pas vu. Alors, est-ce que ça braque bien? Ouais, on peut faire des beaux ronds. C'est pas mal. Des petites traces par terre. Je crois qu'à mon avis, il faut pas s'amuser à passer et repasser partout parce que au bout d'un moment. Putain, mais c'est magnifique. Ces capacités que t'as en dessin. C'est top. Imagine, tu vas chez un client. Moi, je vous ai fait votre pelouse, hein. Et voilà. Voilà, chef. Ah, ça mérite une capture. Tu fais quoi? Je dessine des bites toute la journée. C'est Mika. Eh. Moi, je dis, c'est un vrai mode créatif là qu'ils ont réussi à faire. C'est super. Bon, allez, on va arrêter de dessiner des bites. On va aller ramener ça. Moi, je voudrais vider en fait. Où est-ce qu'on vide? Ah, peut-être là, là. À tous les coups, faut aller là. Ouais, c'est ça. Marche arrière. Est-ce qu'on a une anime ou pas?
Appuyer, maintenir A. Ouais, c'est pas mal. Bon, on voit pas tout, mais bon, dans l'idée, c'est là, quoi. Allez, go! Je l'attendais, ce jeu. Oh, Dick. Eh ouais, Big Dick. Tu as terminé les 7 conduites. Maintenant, tu peux acheter le véhicule ou essayer un autre. Eh ben, écoute, j'ai envie quand même d'essayer celui-là. Ouais, juste un petit essai rapide. Alors, ça dit quoi celui-là? Alors, X pour allumer le moteur. Ah, il est un peu plus lent. Ah, c'est un articulé. Mais putain, il y a vraiment des tracteurs tondeuses articulés comme ça? J'ai jamais vu ça, moi. Je découvre le monde du tracteur tondeuse. Alors, attends. Pourquoi je peux pas engager la lame? Oh! J'ai fait une bêtise ou quoi? Ah non, ça y est. Ah, ça tombe un peu plus large. C'est pas mal aussi sur le devant. C'est maniable aussi, hein. Le moteur est en surcharge. Mais c'est de la merde, ça! Bon, c'est vrai que quand tu fais du mulching, faut pas aller trop haut quand même. Faut pas tondre trop. Ça bourre assez vite. Ça a tendance à reprendre ce qu'il y a au sol. Mais je vous jure, il y a moyen de faire de l'art. Vraiment. Tu te rappelais pas que j'avais des pubs sur mes lives? Bah si, il y a des pubs. Il y a des pubs placées par Twitch. Ouais, il est vachement maniable. Ce qui est bien, c'est d'avoir la coupe devant. Du coup, tu vois bien. Ouais, je crois que le rayon de braquage, il est un peu plus sympa. Hein. Genre pour dessiner des zigounettes. Les bouliches, elles vont être un peu plus petites. Ouais, beaucoup plus petites même. Bon, allez. Bah du coup, là, celui-là, il n'y a pas de... Il n'y a rien à aller vider. Est-ce que je peux quitter le mode... Ouais, quitter. Ok. Tu as terminé l'essai. Ben, je sais pas, qu'est-ce que vous voulez que je prenne pour la mission? Faut que j'en achète un, en fait. Un des deux. Pendant que vous décidiez, moi je vais regarder un petit peu ce qu'il y a d'autre. 1m32 là de largeur. 1m55. Waouh. Putain, mais je vais me découvrir une passion pour les tracteurs tondeuses, les mecs. Putain, mais ça c'est le truc de pro. 1m55. 19 km/h. Wouah. Option bac à air, tout ça. C'est vraiment un truc de compète, ça. Ah ouais, je l'ai déjà vu, ce truc-là, en vrai, avec les deux manettes, là. Le deuxième, tu préfères, Didier? Bon, bah, vas-y, roule pour le deuxième. Hop. Acheter... Bah, oui. Pas trop le choix. Alors, voici la carte des contrats. Est-ce que je peux faire quelque chose avec la souris ou non? En fait, là, merde, j'ai qu'un contrat, donc c'est vite vu. Il y a un beau PDA. Franchement, on se croirait dans Farming Simulator, les mecs. C'est... PDA, il est beau. Je sais pas si on a la ville là tout en haut qui est modélisée, mais si on l'a, ça va être ouf. Hein. On devrait faire un mode FS19. Alors, je sais pas s'ils vont apprécier à peine arriver sur le marché qu'on leur pique leur 3D, les mecs. Hein. Ok, Gaëtan. Si tu coupes les feux, tu as des pénalités? Ah ouais? Bah c'est un peu normal quoi, tu vas chez un client, il n'est pas là pour que tu saccages le jardin. Alors, employé, bah employé c'est moi. Roger, Nono. Et donc on peut avoir une vraie gestion d'entreprise avec plusieurs employés, mais c'est énorme. Est-ce que l'IA est bien... Est-ce qu'on peut regarder l'IA travailler? Objectif 99% de tonte, tonte générale entre 5 et 6. Temps imparti, vérif du sol. Je sais pas ce que c'est ça.
Temps de tonte recommandé, 26 minutes, c'est-à-dire qu'on est parti pour 26 minutes de live. Largeur de plateau recommandée, 1 mètre. Ouais, bah, je crois pas y être à 1 mètre. Hein. Hauteur actuelle de l'herbe, 13 cm à 20 cm. Oh putain, la vache, commence à y avoir un petit peu quand même. Hein. Ouais, sincèrement, au niveau ergonomie générale, là, le jeu, on peut dire que le jeu est fini quand même. Regarde même la traduction. Il n'y a pas d'erreur de traduction. C'est nickel. Alors, je dois assigner un véhicule. Oui, oui, je sais. Bah, tiens, ça y est. Allez, hop, confirme le contrat. Quand tu gères et confirme le contrat. Attends, j'ai poussé ma souris. Je sais pas si vous voyez. Ouais, ici, ma souris. Son point sur la carte devient jaune. Et le contrat qui t'est assigné est marqué d'une étoile. Le premier contrat étant confirmé, tu peux commencer à travailler et te diriger vers l'endroit. Eh bah, c'est parti. 330 livres pour 26 minutes. Ça va. Eh, sincèrement, mais graphiquement, c'est un petit paradis, hein, le jeu. Hein. C'est beau, hein. Il est vraiment beau. C'est pas une bête simulation où on doit conduire le truc. L'environnement est super bien recréé. C'est quoi? Ne me dis pas que c'est un nain de jardin qu'il y a au milieu, là. Qu'est-ce que c'est que j'ai vu? Il y a des pièges. Non. En début de chaque contrat, tu as un peu de temps pour trouver et enlever des... Ah, bah ouais, bah tiens, c'est ce que je viens de voir. On peut aller enlever les objets. Tu peux choisir de passer la vérification du sol et enlever les objets automatiquement en interagissant avec ta tondeuse. Mais cela signifie que tu renonces à tout gain d'argent. Ça va pas, non? Ouh! Qu'est-ce qui s'est passé? Ton véhicule est très abîmé. Mais j'ai rien fait! C'est quoi ce bordel? Attends, il y a un problème, là. Il y a un problème. Mon véhicule, il a valdingué. Oh, putain, on est pas chez des pauvres malheureux, j'ai l'impression. Est-ce que je peux courir? Comment je fais pour courir? Attends, il y avait un truc sprint automatique, je crois, tout à l'heure. Sprint. Sprint actif. Voilà. Ah. Ramasser l'objet. Qu'est-ce que c'est? Pas ce que c'est, mais bon. J'ai vu un autre truc tout à l'heure. La voiture de James Bond, ouais. Oh, ça passe dans le broyeur, ça, et oh, une branche. Attends, il me dit 26 minutes pour tondre ça. Non, c'est une blague. Ça va aller plus vite que ça, quand même. Ah, c'est une fusée, c'est la fusée du gosse. Je croyais que c'était le God Michel de Madame, mais non. Bon, je pense que c'est bon. Ouais, c'est bon. Allez, retournez au véhicule. Hop. Alors. Montez dans le véhicule. Coupe terminée? J'ai rien fait? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Bah non, il me dit que mon véhicule, il est complètement mort. Mais j'ai rien fait, putain! Eh, il y a eu un bug du jeu. Quand le jeu a commencé, mon véhicule, il a valdingué. Et ça m'a foutu 100% de dégâts. Du coup, j'ai pas pu faire ma tonte. Oh! Ah, en fait, c'est fait exprès. D'accord. Pour montrer comment réparer le machin. Ça, c'est un peu déconnant, quand même. Ils auraient pu me montrer ça avant. Bon, cet écran contient toutes les informations nécessaires pour suivre l'état et la performance de tes véhicules. Entretiens ton véhicule et prépare-le pour le prochain. Ouais, je vais mettre un turbo dessus. Entretien, réparation. Bah ouais, mais réparer. Réparation totale, 400 balles. Mais je vais être ruiné, j'ai pas la thune. Ah ouais, ça y est, je commence déjà avec un solde négatif. Réparation des lames, ça va, tout va bien. Et le réservoir, il est plein. Et du coup, non mais attends, je voudrais reprendre moi la mission en fait. J'espère qu'il va... Tu dois rembourser ton découvert avant de commencer un contrat. Mais il se fout de ma gueule ou quoi? Et je fais rembourse comment mon découvert? Bah je suis à découvert, c'est lui qui m'a foutu en découvert. Oh, il y a un problème là, c'est pas possible. Garage, ouais, d'accord.
Valeur du véhicule, mais je vais pas revendre mon véhicule déjà quand même. Si? Option, non. Statistiques, changer une pièce, vendre le véhicule. Tu ne peux pas vendre ton seul véhicule. Bah, je fais comment? Je fais faillite? C'est fini, banqueroute? D'accord, donc je vais reprendre ce truc-là. Je comprends rien là. Ok, il m'a fait changer de véhicule en fait. Mais non, je veux pas quitter, je veux faire ce truc-là. Ah, bah putain! Compliqué hein, ce mode, ce début de mode scénario là. Bon, j'espère il a pas valdingué cette fois. Je pense qu'il y a eu. Je me demande s'il n'y a pas eu un bug quand même. C'est bizarre. Un journal. Ah! Un nain de jardin! J'étais sûr qu'il y allait avoir des nains de jardin. C'est. Est-ce que je peux utiliser ma vision d'aigle? Alors, je vois un truc là, c'est quoi ça? Encore un journal, mais ça passe dans la tondeuse, ça! Ah, il m'en manque un, il me manque un objet, je le vois pas. Ah, si, il est là. Hop, la revue porno de monsieur. C'est parti. Salut le farmer! Allez, go! Alors, monsieur, il veut une tonte à 6. On va la couper à 6, comme ça j'aurai peut-être moins d'aller-retour à faire. Engager la lame. Alors, c'est comment? C'est. Hop. On n'a pas un régulateur de vitesse? Eh, je sais pas si je peux jouer avec le volant farming. Oh, ça pourrait être énorme ça, le volant farming pour baisser et relever la lame. Est-ce que vous pensez que je pète la lame si je passe là-dessus? Je pense que oui. Tiens d'ailleurs, je vais pas faire ça. Je vais faire comme si j'étais à la maison, par secteur. En fait, je suis content de reprendre le tracteur tondeuse jaune. Il braque mieux, j'ai l'impression. Enfin, c'est vraiment qu'une impression parce que le noir avait l'air d'être un peu mieux, mais. C'est super sensible hein, les commandes manettes. J'espère qu'on pourra régler la sensibilité sur le jeu en version finale. En fait, je dis ça, mais ça se trouve, je peux déjà le faire. Hein. Ah si, tiens, sensibilité de la caméra. Alors ça, déjà, ça me plaît. Je vais foutre à 50%. Ah, je peux pas descendre plus. Bon, c'est pas grave. Ah ouais, c'est plus fluide déjà. Enfin, c'est moins violent. Mec, il va tout se faire en marche arrière. Attends, je vais peut-être monter un peu quand même. Hop là. Ah ouais.
Ah, ça a bourré. Pourquoi ça a bourré? Il m'a pas gardé ma... Ah. Bah quoi, je suis pas plein, hein. Je veux déjà que je vide. Enfin, j'ai fait un peu d'oubli là quand même. C'est pas terrible. C'est pas très professionnel. Robert. Pas belle ma tonte. Ouais, peut-être Gaëtan, je sais pas, on en parlera plus tard. L'herbe te fait penser à cattle, moi l'herbe me fait penser à Pure Farming. Quand ils avaient ajouté l'herbe dans la dernière version. Là. Le rendu est un peu similaire. Ah oh, merde, j'ai abîmé les fleurs de la madame. Est-ce qu'il y a des rotofiles ou des broussailleuses? Non. Non, c'est vraiment que du tracteur tondeuse. Il n'y a même pas de tondeuse manuelle. Et en fait, quand je vois la taille du terrain, là, je me dis que c'est peut-être pas nécessaire, en effet, de sortir l'artillerie lourde, quoi.
Mais bon. C'est Jaco. Retour de vacances, mais j'étais pas en vacances. Bon, c'est vrai que j'ai pris le soleil aussi. Mais c'était pas des vacances. Mais bon, comme tu dis, ouais, retour de vacances, tu vois, l'herbe a tellement poussé que bon bah voilà, faut s'y mettre, hein. Faut travailler un peu. Allez, 35%. Ah ouais, en fait, il a raison. Attends, ça va, j'abîme pas ma lame en passant sur les cailloux. Ouf. Il a raison, il faut peut-être bien une demi-heure pour se faire la mission. Je sais pas si on a des missions genre terrain de golf ou des trucs comme ça. Oh, je pense qu'on doit avoir. Salut Franky, bienvenue. Oh putain, j'ai failli me faire des fleurs. Salut Nex. Tu devrais mettre un robot tondeuse. C'est vrai. Ah, ça fait quoi quand on touche à rien? Le mec est en train de s'étirer? Non. Ah si. Oh bah ouais, c'est trop dur la vie, hein. T'as juste appuyé sur une pédale, feignant. Là. Déjà il a la main sur le genou là, tranquille. Manque la canette dans la main, ouais. Ah, y a pas le petit support de canette sur celui-là. J'ai déjà vu des tracteurs tondeuses qui étaient équipés, hein, un petit support. Là. Ça se comprend en même temps, quand t'es en plein cagnard sur ton tracteur tondeuse, tu cuis un peu quand même. Hop là. Ouais, ça pourrait être bien. Un jeu pour ceux qui vivent en appartement. Écoute, je vis pas en appartement et tu sais quoi? Le jeu m'amuse. C'est déjà bien, c'est le principe d'un jeu. Le jeu m'amuse.
En fait, je trouve le jeu bien fait. Ah, j'ai cru entendre des vaches. Non. Oh non, j'ai rêvé. Il manque le petit côté open world, tu vois. J'ai envie de prendre mon tracteur tondeuse et puis de me barrer dans la rue, faire un petit tour en fait. Après, peut-être qu'on a des missions communales, hein. Je sais pas. On va voir un petit peu ce qu'il propose. En tout cas, il va falloir travailler dur avant d'acheter un nouvel engin, parce que 300 balles la tonte et 3000 balles un tracteur tondeuse, 3000 livres. Et encore, ça c'était le tarif du petit. Pas celui de champion qui tombe sur 1m50 et puis qui avance à 19 km/h. Oh, celui-là, ça doit être un vrai bonheur. Non, il n'y a pas d'autre vue. En tout cas, j'arrive pas à activer non, une quelconque autre vue. Je regarde, hein, mais... Ah, si. Ah, tiens. Ah, mais si, on a une vue. Ah, il y a une vue pour... Il y a une touche pour centrer, et c'est une autre touche. Ah, déjà, il y a une vue que je voulais. C'était la vue un peu éloignée. Ah. Ok. Et si on a une vue cabine? Par contre, il y a un truc qui manque. C'est un petit peu d'angle de vision. Voilà. Un peu mieux. Oh. Ouais, bah... Je préfère cette vue-là, en fait. Même celle-là, à la rigueur. Non, peut-être pas. Ouais. Quoi cette vue là? Je peux pas. Tiens, c'est marrant ça. Ma vue est bloquée sur l'axe Y. Bon, c'est pas grave. Heureusement que tu ne dois pas vider le bac en plus de tourner en rond. Bah, si, tu dois vider le bac, mais là je suis qu'à 50%. Donc ça va. D'ailleurs, je trouve ça lent à remplir. Après, j'imagine pas trop ce que ça fait 240 litres par rapport à ma petite tondeuse classique. Mais c'est vrai que la tondeuse, ma petite tondeuse, je m'arrête toutes les 2 secondes pour vider, surtout quand l'herbe est haute comme ça. Et là, depuis tout à l'heure, je vide rien et je suis à peine à plus de 50% de remplissage. Bon, là on va faire un truc, on va se faire une petite découpe autour de ça. Pourquoi j'arrive plus à avoir une vue rapprochée de mon perso? C'est bizarre ça. Bon.
Je termine cette ponte là et après je vais aller j'ai pas envie de forcément de faire une grosse vidéo sur ce jeu là. Je vais peut-être aller en live sur sur YouTube pour montrer un peu aux autres, vous savez, ceux qui veulent pas venir nous voir sur Twitch sur l'heure de midi. Tiens, je vais peut-être faire ça. Je sais pas ce que vous en pensez du jeu, mais moi je sais pas, moi il me distrait. Il me distrait bien. Téléchargez-le, hein, la démo est gratos. Hein. Salut Limbraco. Eh mais si, j'entends des vaches. D'ailleurs, un élevage pas loin, parce que j'entends des vaches brailler. Ça se trouve, à un moment donné, il va nous demander d'aller faucher un champ, ça continue. Bon, peut-être pas avec ça, mais... Bon, on va voir s'ils ont diversifié un petit peu le gameplay, tout ça. Tout à l'heure, je parlais des terrains de golf, je sais pas si on va avoir ce genre de mission. En tout cas, en termes de matériel... c'est quand même bien garni, hein. Pour un jeu de tracteur tondeuse, sincèrement, ils ont des bonnes licences. Et ils ont un peu de matériel quand même assez diversifié, quoi. Donc ça permet de découvrir aussi ce monde du tracteur tondeuse, du paysagisme. N'empêche, il y en a tellement qui demandent du paysagisme dans Farming. Là, t'as un jeu qui est complètement dédié, quoi. C'est... Alors c'est que tracteur tondeuse par contre. Alors c'est que tracteur tondeuse, mais ils ont quand même été jusqu'au bout de leur idée, quoi. Genre tu peux pas t'amuser à aller tondre des fleurs, sinon tu te prends des pénalités, tout ça. C'est quand même bien pensé, il y a des petits trucs bien pensés. Si le jeu est proposé à pas trop cher quand il sortira en version finale. Bah ouais, pourquoi pas, quoi. Ouais, alors on en a un. T'es peut-être arrivé un petit peu tard, Limbraco, mais en fait, on a, pour l'instant, au démarrage du jeu, on a deux tracteurs tondeuses de dispo, dont un qui fait le mulching avec une coupe devant, sur une petite coupe frontale. Mais je l'ai cassé. Il est déjà tombé en panne, le truc. J'ai tout cassé. Du coup, j'étais obligé de le revendre, je l'ai échangé contre ce bazar-là. Il est un peu plus rapide, celui-là. Par contre, il braque moins bien. L'autre, c'est un articulé. Celui-là braque moins bien, et puis bah, il faut décharger. Enfin, décharger. Regarde, j'ai fait tout le terrain sans décharger une seule fois le truc. Ce qui me paraît un peu gros, quand même. Faudrait que je demande à mon voisin, grand spécialiste du tracteur tondeuse. Tous les combien il décharge... Il décharge sa remorque là derrière. Dans son sac. Bon allez, 99%, c'est bon. Normalement la mission je peux l'arrêter là. Eh, c'est pas beau ça, regardez ça. Je fais même pas aussi bien chez moi. Rapporte ton véhicule. Oui oui, ça vient, ça vient. J'ai mis 23 minutes au lieu des 26 préconisés. Alors attends, on va débrayer le truc peut-être. Voilà. Voilà.
Ah, c'est pas beau, une herbe fraîchement tondue. On a envie de s'allonger un peu dedans là. C'est vrai que le terrain avant-après, c'est pas mal. On voit toutes les marques, tous les passages que j'ai fait avec la tondeuse. Ça, c'est bien fait aussi. C'est pas juste un bête changement de texture. Tu vois, l'herbe se couche en fonction des passages du tracteur tondeuse. Du coup, ça donne un aspect vraiment tondu. C'est pas mal. C'est vraiment pas mal, hein. Petit chant des oiseaux. Putain, il y a un arbre, il a les feuilles bleues là-bas. C'est bizarre ça. Ah bah il est reposant ce petit jeu. Alors, qu'est-ce que ça raconte? Carburant. Ah oui, il faut refaire un peu le plein quand même. Ok, vas-y, continuez. Ouais, j'ai pris un peu d'XP. Niveau amateur. Attends, je suis niveau nain de jardin. Merci d'avoir joué à la démo. Ajouter ce jeu à ta liste. Putain, j'ai qu'une mission. Sniff. J'ai envie d'en faire plus, moi. Ajouter à ta liste de souhaits. Mais il est déjà dans ma liste de souhaits. Oui, je le veux. Il arrive cet été, le bazar. Quitter. Ah bah, je peux même pas quitter. Non, ça quitte le jeu? Non. Non, ça... Ah bah si, ça quitte le jeu. Le jeu est bien foutu. J'ai l'odeur d'herbe tendue. T'as vu ça? Ouais, bah c'est. Moi, j'ai l'odeur de la pluie là. Il fait comme il n'y a pas. Donc, c'est pas aujourd'hui que je vais tondre. Et je pense que pour une semaine là, je suis tranquille. Hein. Je vais pas avoir de tonte à faire. Bah bon, écoutez, moi, je vous propose c'est d'aller le refaire ce même live, mais chez ceux qui sont réfractaires à Twitch, on va aller quand même présenter le jeu parce que sincèrement, je m'attendais pas à ça. Je m'attendais quand même plus à un flop. Et en fait, non, non, c'est pas mal. C'est pas mal. Il a bien plu hier soir. Ah bah oui, un peu, ouais. Toute la nuit, il a plu ici. Bon, les gars, merci en tout cas d'être passé ce matin. Je referai sûrement un petit live parce que j'ai plein de simus. J'ai... Alors, attends, ça, c'était la première. J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'ai 6 simus à vous montrer. Merde. Oh là là là. Bah, c'est l'occasion... Donc, en fait, j'en ai pas parlé, mais c'est à l'occasion du Next... Non, du Steam Next Fest. Donc, où les éditeurs balancent des démos à tout va. Donc, j'ai reçu un gros mail avec toutes les démos de Simu à tester. Donc, celle-là en faisait partie. Bon, allez, je vous retrouve sur YouTube si vous voulez repasser par là. Je vais reprendre la démo, mais depuis le tout début. Allez, ciao tout le monde!